chef de classe, fais l'appel s'il te plaît. Attention à mon commandement. Pas de sémapoutité. Saken d'alliés sont quelqu'un. Monsieur, dans ce coup, Kouratal, qui coue et qui secoue comme courant des maisons, nous partons d'une partance partatal au Sénégal, au pays de la Teranga. Fouka, 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 fouka. Voilà, où la langue de Molière vient de perdre connaissance. Comprenez mon émotion. Donc, d'une donconce doncatale qui donquitise, nous allons écouter une émission complètement banon. Donc, je... ma soeur Nagare. Assalamu alaikum, Boki Sénégal. Assalamu alaikum, Boki Internet du Mexique. Eh, tout cela c'est bien beau. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est la réalité. Dénommé le grand V. Le grand V. Bon, ça parle de quoi? Le grand V dit traité. Pardon? Le grand V dit traité. Dit traité. On traite quoi ici? Bepou. Là, il a là, je dis où? But ou bip? Bepou. Là, il a là. C'est ça, j'ai dit. Le grand V dit traité. Bip. Bepou. Ou but? Bepou. Bon, d'accord, continue. Bepou. Sujet, Boudjem Tiwalem violence. Donc, en l'occurrence, comme assurance de voiture, le but de l'émission, c'est la violence. Sujet, Boudjem Tiwalem violence. Très bien, va bien. D'accord, vas-y, maintenant, donne-nous des exemples de violence. Comme le violence fait aux femmes, le violence fait aux enfants, le violence conjugal, le violence verbale. Maintenant, toi-même, pourquoi tant de violence pour la langue de Molière? Parce que oui, là, tu violes et violentes avec violence verbale et sonore. C'est-à-dire que, en l'occurrence, comme assurance de voiture, la violence verbale, verbalisée, qui verbalise en allant vers la violence de nos tympans sonores, que tu violes avec la violence qui violatise la langue de Molière. Pourquoi tant de viols et de violences pour la langue de Molière? Traduction terre à terre, toi-même, avant de venir parler de la violence qui se fait dans ce monde, arrête de violenter la langue de Molière. Pourquoi la violence est si violente dans ta bouche? Molière t'a fait quoi et puis tu violentes sa langue? Parce que oui, même monsieur le ministre de l'enseignement supérieur ne comprend pas, n'est-ce pas? J'ai parlé, je fais allusion à celui qui l'a dit, qui a dit que... Voilà, et encore. J'ai parlé, je fais allusion à celui qui l'a dit, qui a dit que... D'accord, tu as parlé, mais ensuite... Je fais allusion à celui qui l'a dit, qui a dit que... Qui a dit que... Bon, tu veux dire quoi à la fin? Qui a dit que il avait des difficultés. Et voilà, sa bouche commence à vibrer comme un portable à 50 puces téléphone chinois. Mais j'ai dit, oh, si toi-même, là, le ministre de l'enseignement supérieur, si toi-même tu parles français comme ça, les professeurs, les enseignants et les élèves, que vont-ils parler? Chinois? Voilà même! Ou bien c'est une langue complètement? Bah non! Qu'ils vont parler? Qui a dit que... Va là-bas! Ferme-moi!